Salut tout le monde! Aujourd'hui, hey, on vous parle d'un poisson, mais c'est pas vraiment un poisson. Puis il y a la particularité que, rendu à l'âge adulte, cet animal-là ne se nourrit pas. Avez-vous deviné de quoi il s'agit? L'aviez-vous deviné? On vous parle de la lamproie, plus spécifiquement la lamproie du Nord. Les lamproies ont été classées longtemps parmi les poissons, mais aujourd'hui, on les considère à part. En fait, ils ont l'air d'une anguille, leur bouche d'une ventouse, ils n'ont même pas de mâchoire. La seule nageoire qu'elles ont, c'est sur le dos, qui contourne un peu la queue, et qui va un peu en dessous de la queue aussi. Donc, c'est les seuls, il n'y a pas de nageoire paire. Et plusieurs espèces sont parasites de poissons, comme les sangsues. Par contre, celle dont on parle aujourd'hui, la lamproie du Nord, n'est pas parasite. Elle mange pas, en fait. À l'âge adulte. Oui, à l'âge adulte. Puis là, on est dans un endroit ici, c'est un site de reproduction de la lamproie du Nord. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que à ce temps-ci de l'année, vers la fin du mois de mai, début juin, les adultes vont venir frayer dans la rivière. Et c'est des endroits où il y a des rapides. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on est un peu dans le courant en ce moment. C'est des endroits aussi où on va observer un fond qui est rocheux, graveleux, et où il n'y a pas très épais d'eau. Ah. Donc, les mâles et les femelles lamproies se regroupent aux mêmes endroits. Avec leur bouche en ventouse, les lamproies déplacent les cailloux. Dans le fond, ils creusent un nid, un genre de nid rudimentaire, dans lequel les femelles vont déposer les œufs et les mâles libèrent les spermatozoïdes dans l'eau. Donc, les œufs fécondés collent au fond, il y en a qui dégringolent. Et de ces œufs sortiront de petites lamproies, des larves qu'on appelle les amocètes. Les amocètes n'ont pas d'yeux visibles, on ne voit pas leurs yeux. Et les dents, évidemment, ne sont pas visibles non plus. Le stade larvaire dure 3 à 7 ans. Donc, les amocètes s'enfouissent dans un sol mou. Et puis là, commence une vie d'organismes filtreurs. Donc, elles vont filtrer du plancton, des micro-organismes pour se nourrir, jusqu'à ce qu'elles deviennent adultes. Et c'est alors qu'elles vont aller sur les sites de reproduction au début de l'été, au printemps, comme présentement. Et puis, elles vont frayer pour ensuite mourir. Les lamproies meurent après la reproduction. En regardant dans leurs habitats, on peut parfois en trouver. Lamproie morte après la reproduction. Et c'est ainsi que se complète le cycle vital de la lamproie du Nord. Drôle de vie, hein? Quelques années au stade larvaire à filtrer, puis ensuite une reproduction, mourir. C'est quand même pas une exception dans le monde animal. Il y a quelques animaux comme ça qui se reproduisent puis qui meurent tout de suite après, notamment certains papillons de nuit. Mais pour nous, humains, c'est toujours surprenant de voir ça.